Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 24 heures Picard. Picard, j'ai jamais tenté et là, on a emménagé avec mon copain et littéralement à deux rues, il y a un Picard. Donc je me suis dit que c'était le moment pour faire un 24 heures Picard. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour le petit-déj. J'ai aussi un plat tout fait pour le midi avec un dessert. J'ai un truc pour le goûter si j'ai envie. Et ce soir, ça va être un petit mood apéro-dinatoire. J'avais trop envie de tenter leur truc apéritif. Donc voilà, je me suis dit, je voulais aussi pas juste prendre des plats tout préparés. Je voulais tester aussi toute la partie apéro parce que je trouve que c'est aussi ce qui est intéressant chez Picard. C'est l'étendue, on va dire, de tout ce qu'ils proposent. Et je voulais qu'en une seule vidéo, on voit quand même un large éventail. Et puis j'aime bien faire des apéros dinatoires, donc ça gâcherait mon plaisir. Et voilà, c'est parti, parce que j'ai faim. Pour le petit-déj, j'ai tout simplement pris des pains au chocolat surgelés. Voilà, excusez-moi, je vais ranger un petit peu ma cuisine. Voilà les fameux pains au chocolat, c'est du coup 6 pains au chocolat et il faut que ce soit 18 minutes à 180 degrés. Bon, j'ai déjà mis mon four en route, j'espère que vous l'entendrez pas, mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait quand c'est congelé. Et franchement, ça a eu plutôt une bonne taille, il me semble. Enfin, on va voir si ça gonfle ou quoi. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal du tout. Pour dépanner, franchement, ça peut être bien. Voilà à quoi ressemblent les pains au chocolat. Honnêtement, ça a plutôt une bonne tête. Alors par contre, j'ai mis 18 minutes en chaleur tournante à 180. Mais ils étaient blancs comme des fesses, si je peux me permettre. Du coup, j'ai mis 3-4 minutes au grill en plus pour que ça ait une couleur un petit peu plus dorée, un petit peu plus bronzée, voilà. Et on va goûter ça. Il reste assez petit, mais honnêtement, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Il y avait aussi des mini... Ouh, c'est chaud. Ça a une belle tête, franchement, ça va. Pas mauvais du tout. C'est pas aussi bon qu'un bon pain au chocolat frais que tu vas acheter en boulangerie le matin. Mais ça reste quand même vachement bon pour du surgelé, on va pas se mentir. Il n'y a pas de feuilleté, elle est pas mauvaise du tout. Franchement, si je devais noter, je pense que je mettrais un petit 8 sur 10. Parce que c'est pas non plus banger, mais ça reste du surgelé que tu réchauffes le matin et c'est quand même pas mauvais du tout. Voilà. Sur ce, je vais continuer ma matinée à base de lecture parce que je suis en train de tourner un 24h Redathon qui sortira dans quelques semaines, normalement. Et je suis en train de lire ce petit truc-là, qui est très 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 chouette, donc c'est pas tout, mais va falloir que je lise maintenant. Et on se retrouve ce midi pour la suite de ce 24h Picard. Il est quasiment midi et demi, il est temps de préparer à manger pour ce midi. J'ai pris un wok de légumes avec des nouilles, ça me donne trop envie, j'aime trop ça, j'aime beaucoup en faire moi-même. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ça dans le Picard, j'ai pas cherché midi à 14h et après j'aurai potentiellement un dessert que je vous montre pas tout de suite, je sais pas encore si je pense que je vais le manger. C'est des profiteroles glacées, mais du coup faut pas que je les sorte maintenant, ce sera juste le coulis de chocolat qu'il faudra que je fasse. Voilà, du coup je vais réchauffer cette poêlée. Alors on peut la faire soit, ça doit être un micro-ondes je suppose, soit à la poêle. Moi je pense que je vais le faire à la poêle. 8 minutes du coup, voilà. Voilà ce que ça donne congelé. Là j'ai mis à chauffer dans la poêle, mais voilà ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que c'est les trucs marrons là. Donc on verra. Mais écoutez, pour le moment ça a l'air plutôt sympathique. Je trouve ça pas mal que les pâtes elles soient en paquet comme ça, parce qu'au moins tu peux un peu doser un minimum ce que tu veux. Voilà à quoi ça ressemble. Vraiment ça a l'air trop bon. Ça sent archi bon. J'ai trop hâte de manger ça. En plus, ça a été prêt archi. Ça s'est cuit uniformément et tout. Enfin, il n'y a pas un truc qui a cramé pendant que le reste était encore congelé. Et du coup, les cubes marrons, c'était de la sauce. Mais ça a l'air archi bon. J'ai trop hâte de goûter. C'est trop bon. La sauce est trop bonne. Les pâtes sont bien cuites. Enfin, elles sont pas trop cuites. Elles sont encore un peu fermes. Sans être encore congelé, hein. Je préfère préciser, mais archi bon. Je suis fan, je crois que je vais toujours avoir ça chez moi en fait. C'est archi pratique. Ça a un léger goût, un peu sauce soja.
mais pas too much non plus, ce qui fait que ça a pas un goût trop salé. C'est végé, hein, du coup je vous ai pas précisé. Je valide fort fort. Enfin vraiment, ça je vous conseille si vous aimez la bouffe asiate. Il y a des restos où c'est meilleur parce que c'est frais, mais enfin c'est aussi bon que du fait maison là, honnêtement. En plus c'est un peu caramélisé, archi bon. Vraiment, je vous conseille pour. Enfin, je sais qu'il y a moyen que je continue d'en acheter et d'en avoir dans mon frigo. Pour les soirs où j'ai pas le courage, ou même les midis où je reviens un peu en speed du boulot et j'ai pas le temps de cuisiner un truc fancy. Franchement, ça. C'est nickel pour un repas rapide. Je valide. Très très fort, Picard. Maintenant, il est l'heure d'essayer de comprendre comment fonctionne. Enfin, comment on fait les profiteroles. C'est du coup ce paquet là et c'est 6 profiteroles glacées et du coup il y a deux parts avec deux sachets de sauce. Et de ce que j'ai compris, la sauce il faut la mettre dans dans de l'eau bouillante. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. J'ai déjà goûté le coulis là de chocolat, ça a un vrai goût de chocolat, enfin ça a pas goût de chocolat au lait ou quoi. Et on va tenter ça. Pas pris longtemps du tout hein, le chocolat pour qu'il soit bien fondant comme ça alors qu'il était congelé. Donc plutôt pas mal, hein. Bref, on va tester, voir ce que ça donne. En tout cas, la texture du chou est pas mal du tout. C'est très bon. C'est pas incroyable, mais ça reste très très bon. Voilà. Je suis ravie d'avoir testé. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de profiterole. Bref, on se retrouve soit pour le goûter, soit ce soir. Je ne sais pas encore. Il est 17h30 et il est l'heure du goûter. Bon, je prends pas toujours un goûter, mais là je vous avouerai que... Il y a un truc qui me donnait très 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 envie et c'est clairement cette petite chose. C'est un moelleux, enfin il y en a deux du coup mais je vais m'en faire qu'un, faut pas déconner. C'est moelleux au chocolat et ça a l'air archi cool en milieu et j'ai trop envie de goûter. Donc c'est parti et c'est à mettre 20 minutes au four, si j'ai bien compris. Bah c'est parti. Je voulais juste vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Je viens de le sortir du four et c'est étonnant parce que je l'ai laissé plus longtemps que prévu. Et en fait, on dirait que c'est pas cuit là. Bon, j'ai remis 10 petites minutes et ça a enfin l'air cuit. Ouais, c'est bon, c'est cuit. Alors, c'est très bon, mais il faut quand même que ça cuise archi longtemps. Et je trouve que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique. Le but aussi de prendre un truc surgelé, c'est quand même que ce soit prêt rapidement. On peut pas dire que c'est prêt rapidement. Après, je sais qu'un gâteau au chocolat, ça prend du temps pour cuire, mais là... Au moins 35 minutes pour un petit truc comme ça, je trouve que ça fait quand même long. Après ça reste bon hein, si vous avez le temps. Il me reste littéralement une bouchée. C'est quand même très très bon. Quand c'est bien cuit, c'est... Le goût est là, la texture est là, tout est là. Vraiment c'est très bon. Vraiment le seul bémol c'est le temps que ça prend à cuire. Je vais finir ça. Et on se retrouvera après pour l'apéro dînatoire. Bon, il est 20h, un truc comme ça. Donc il est l'heure de préparer à manger pour ce soir. Alors, en congelé à passer au four, j'ai ces petits croustillants apéritifs. Ça, franchement, ça me donne archi envie. Ça a l'air trop trop bon. Genre les rouleaux mozza tomate basilic, là. Vraiment, ça a l'air d'être banger. Donc trop hâte de goûter ça. Et évidemment, en tant que fan de gougères, je me devais de goûter ces gougères. Parce que si elles sont bonnes, vraiment, je vais en avoir constamment chez moi. Voilà. Et sinon, je voulais également tester ça. Je l'ai mis à décongeler, là, depuis ce midi, c'est dehors. Donc ça a décongelé. Et du coup, c'est un petit trio de houmous que je vais pouvoir manger en goûtant. Le seul truc que j'ai acheté qui n'est pas congelé, c'est ces tortillas. Voilà, j'avais envie de faire tortillas houmous. Donc j'ai vu que Picard faisait des gâteaux apéro comme ça. Donc j'en ai profité. Voilà, je vais mettre à chauffer gougères et... les croustillants apéritifs et on se retrouve après pour la dégustation. Alors globalement ça a une très 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 bonne tête. J'ai hâte de goûter ça parce que ça a l'air trop bon. Je pense que je vais commencer par genre le houmous. Donc il y en a un à la betterave, un au basilic et un au citron confit. Ok, c'est archi bon. Il y a bien le goût de pois chiche, le goût de betterave, c'est un peu citronné. Trop trop bon. Franchement je valide à 1000%. On va goûter les autres. Oh waouh, c'est archi bon. Alors ils sont tous délicieux, mais si je devais les classer, oh, c'est impossible de les classer, ils sont tous bons.
Celui-là, il est surprenant sur la fin, au citron confit. Et globalement, ils sont tous un peu citronnés, donc ça, j'aime beaucoup. Ça a une vraie texture de houmous, ça a un vrai goût de houmous. Très, 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 très bon. Je valide. Et des chips aussi, hein, pour le coup, c'est très bon aussi. Et du coup, je vais goûter ces petites choses aussi. Je sais pas par quoi commencer. Un petit stick, là. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. C'est mozzarella, mais je ne sais plus après. On va essayer de le couper en deux. Ouh, ah oui, c'est tomate mozza, avec genre des herbes. Très, très sympa. Ça a bon goût, après c'est un peu gras sur les doigts, on va pas se le cacher. Et je m'attendais peut-être à ce que ce soit un peu plus croustillant, un peu comme un M, mais c'est très fin, c'est très bon. Et je vais finir par la gougère, parce que j'aime trop les gougères. Donc on va prendre un petit samoussa. Lui pour le coup, je sais plus du tout à quoi il est. En tout cas, c'est une bonne tête. Ouh, c'est pas mauvais. Et donc, dernier truc à goûter, et que j'ai hâte de goûter, une petite gougère. En tout cas, la texture, c'est très moelleux, ça a l'air très sympa, sur le papier en tout cas. Ça a bon goût. Mais je trouve que ça n'a pas tant goût de fromage que ça. J'ai déjà goûté des gougères qui ont beaucoup plus de goût, même au-delà de la texture, où je me dis, bon, c'est du surgelé, donc ça peut pas non plus être comme les gougères fraîches, entre guillemets. Je trouve que niveau goût, j'ai déjà mangé largement meilleur. Après, ça reste bon, hein, mais ouais, peut-être un peu déçu. Les gougères, je m'attendais à ce qu'elles aient beaucoup plus de goût. Bref, je vais continuer de manger. On se retrouvera après pour un point final sur cette vidéo. Je voulais juste faire un petit point quand même sur du coup cette journée où j'ai mangé Picard, et globalement je suis plutôt surprise par la qualité de ce qu'ils proposent, enfin en tout cas de ce que j'ai goûté. Alors ça n'a pas été que des coups de cœur, que des trucs où je me dis ok je vais racheter, mais globalement ça reste du surgelé. J'ai pris des choses qui sont en plus pas excessivement chères parce que tout simplement j'avais pas forcément envie de mettre des 100 et des 1000 dans cette journée, déjà que j'ai pris pas mal de trucs pour goûter beaucoup de choses. Et ça reste très bon, par exemple le repas de ce midi, c'était incroyable, j'ai adoré, pour du surgelé c'est trop bon. Là globalement ce soir, le houmous, et enfin les trois houmous là sont archi bons. Globalement j'ai aimé tout ce que j'ai goûté, et ça reste, ma foi, plutôt très pratique. J'ai toujours du surgelé chez moi. Généralement c'est pas des plats tout faits, c'est plutôt des légumes prédécoupés, prélavés, tout ce que tu veux, que j'ai juste à cuire, parce que c'est quand même archi pratique. Donc ça, je sais que je continuerai à en acheter, que ce soit à Picard ou ailleurs, mais là je voulais vraiment tester les plats déjà prêts, et honnêtement j'ai été plutôt surprise par la qualité, par le goût que ça avait. Non, globalement, je suis très très contente d'avoir fait cette vidéo pour découvrir Picard. Si ça vous a plu cette vidéo-là, je pense que j'en referai d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!